Avez-vous des difficultés avec vos consistances? Pas de panique, il y a beaucoup de solutions. Pas besoin de réinventer la roue. Dans ces vidéos, on va explorer chacun de ces techniques. Je vais prendre 5 consistances, tester avec chaque méthode et expliquer quelles techniques on peut les utiliser. Technique de trace. Celui-là, c'est une technique que la plupart des gens utilisent. Et c'est ce que j'ai appris en premier quand j'ai appris les pouring. Donc j'ai fait un peu comme les comme Gina De Luca qui a fait une échelle de 1 à 5, donc des consistances différentes. 1 en étant le plus liquide et 5 le plus solide. Donc à savoir, si vous voulez des cellules, il faut plutôt aller dans les fins, et si vous voulez les stabilités, il faut aller plutôt sur 4 et 5. Et 3, c'est une consistance qu'on peut utiliser pour pratiquement toutes les pores, sauf les perles, les blooms et les dutch. Voilà, tout ça sorti. Donc le 1, c'est notre plus liquide. Et qu'importe les médiums que vous utilisez, en fait, les consistances... on doit obtenir à peu près ses consistances. Donc celui-ci, quand on tire les spatules, ça rentre directement, ça laisse pas de traces, ça rentre directement dans la peinture sans traces. Donc ces consistances, ça va pour les pearl pour. Et on peut aussi faire des dutch avec, ça c'est une préférence. Moi j'ai fait des dutch avec les consistances numéro 2. Donc celui-ci, vous pouvez aller quelque part entre 1 et 2 pour les dutch et 1 pour les pearl pour, parce que pearl c'est nécessite les mélanges les plus fins. Donc numéro 2, ça laisse une toute petite trace et ça disparaît très rapidement. Et une autre chose qui est importante, pour pouvoir bien comparer, il faut lever vos spatules toujours en même hauteur, parce que ça change. Si on fait d'en haut, on n'a pas les mêmes que quand on met d'en bas. Donc moi, pour ces vidéos, j'ai fait à peu près au niveau de tasse, les fins de tasse. Donc ça, c'est consistance numéro 2. Vous pouvez utiliser ça pour les classiques, les swipes classiques. Vous pouvez utiliser pour les Dutch pour. Et ça disparaît tout de suite. Petite trace donc. Numéro 3, c'est une consistance qui convient à la plupart des pouring. Donc comme j'ai dit, sauf les perles, les dutch et les blooms, qu'on va en parler tout à l'heure. Donc tout le reste, vous pouvez faire avec ça. Et ça, ça laisse une trace sur une trace, comme ça. Donc en fait, voilà, un trace sur une autre trace et ça disparaît. Donc ça c'est
passe-partout. Numéro 4, c'est les consistances que j'utilise en fait. Moi personnellement, j'aime utiliser ça pour les blooms. Et j'ai fait aussi mes ring pores. Je préfère qu'ils soient un peu plus épais pour avoir les lignes bien distinctes. Parce que quand on utilise les couleurs un peu fines comme 1 et 2, les couleurs se mélangent plus. Tandis que, bon, on a plus de cellules, oui. Mais tandis que quand on passe vers les plus épais, les couleurs restent distinctes. Donc, ça, j'utilise pour mes couleurs dans les blooms et aussi pour les ring pores ou cloud pores parfois entre 3 et 4. Donc. Ici, ça laisse une trace sur une trace sur une trace. J'espère que vous voyez. Donc, je monte les spatules au niveau de fin du tasse. Une trace sur une trace sur une trace. Et ça prend un peu plus longtemps à disparaître. Numéro 5. Ceux-là, c'est les plus épais. Et vous voyez, ça coule un peu plus doucement, plus dur. C'est pas fluide comme les autres. Et ça, c'est une consistance que j'utilise pour les coussins d'une bloom. Donc, pour les couleurs, j'utilise 4. Et pour le coussin, j'utilise les numéros 5. Vous pouvez aussi utiliser ça si vous travaillez à la couteau, vous faites des choses que vous voulez pas que ça étale, vous voulez pas que ça bouge trop sur votre toile. Donc celui-là est très très épais. Donc voilà pour nos 5 consistances. Et je vais appliquer ça avec les différentes méthodes aussi pour voir comment chaque méthode, s'il y a une cohérence dans tout ça. Donc, je répète, ici, vous avez peu de cellules, mais beaucoup de stabilité. Donc, ça bouge beaucoup moins. Et vos couleurs restent bien, chaque couleur reste sans mélanger. Ici, quand vous allez vers ici, vous auriez beaucoup plus de cellules, mais les couleurs auront tendance à mélanger, donc il y aurait moins de stabilité. Cela bougerait beaucoup plus rapidement sur votre toile que cela. Et 3, j'appelle consistance universelle. C'est notre passe-partout. Et voilà pour cette technique. Maintenant, on passe au deuxième. Technique de couler. Deuxième technique. Celle-ci, c'est une technique que je n'utilise pas. Pour juger les consistances. Mais il y a des personnes qui jugent avec cette technique. Donc, il s'agit de lever les spatules et laisser couler. Et quand il y a une interruption comme ça, ils vont compter jusqu'à qu'il y a une interruption. Donc, on va essayer. Je ne garantis pas que je vais savoir faire, mais il faut juste que vous sachiez que cette méthode existe aussi. Donc, on lève les spatules et on compte. Et voir combien de secondes, après combien de secondes, ça va être ça va passer des lignes continues à lignes interrompues. Donc,
Je vais essayer d'élever à chaque fois jusque-là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Allez, on va dire ça, c'est 9. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Donc, un, c'était neuf. Deux, c'était onze. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Treize, je dirais. Neuf, onze, 13. 9 secondes, 11 secondes, 13 secondes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Quinze. Quatorze, quinze. Quatorze, quinze. Donc, 9, 11, 13, 15, à peu près. Et le cinquième, ça va être difficile de juger comme ça parce que ça coule pas vraiment. Donc, je vais essayer, mais je pense pas qu'on peut utiliser pour des couleurs épais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Voilà. C'est pas ma méthode favorite parce que je trouve pas très. Il y a trop de facteurs qui jouent. Si on met la main un peu plus haut ou s'il y a les moindres grumeaux dans les couleurs. Donc, ça, c'est pas ma façon préférée, mais vous pouvez regarder si vous voulez toutes vos couleurs exactement les mêmes consistances. Ça peut être une méthode que vous pouvez utiliser. Avant d'attaquer les suites, n'oubliez pas de partager, liker. Technique du temps. Voici ma méthode préférée pour les blooms, en fait. Comment je juge quelle consistance il faut pour faire les blooms de chili. Donc, il s'agit de lever les spatules, faire un tour. Et voir combien de secondes les traces restent. Donc, les numéros 1, les secondes, ça reste presque entre 1 et 0 secondes. Hop, disparaît directement. Donc, je fais 1, et il est parti déjà. 1, il est parti. Celui-ci, c'est les consistances que j'utiliserai pour les activateurs de cellules. Entre 1 et 2, c'est les consistances de activateurs de cellules. Donc ça, c'est de 1 à 0 secondes. Ici, numéro 2, on fait la même chose. Donc on lève les spatules, on fait un tour. 1, 1. Ça, c'est 1 seconde. Et ça disparaît. Une seconde et ça disparaît. Hop, 1. Je compte à 1 et il n'y a plus là. Donc, les activateurs des cellules, ça serait entre 1 et 2. Vous pouvez utiliser 1. 2 va marcher si vos couleurs sont épais aussi. Activateur. Mais je parle que pour les blooms. Donc, les numéros 3. Pour tous vos autres pouring. 1, on fait la même chose. 1, 2.
1, 2. Donc ça reste 2 secondes de trace. Donc 0 seconde, 1 seconde, 2 secondes de trace. Numéro 4, c'est ce que j'utiliserai pour mes couleurs dans une bloom. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Entre 2 à 3 secondes. Un, deux, trois. Un, deux, trois. En fait, cette méthode, c'est ce que j'utilise la plupart du temps entre les premières et celui-là. Donc, numéro 5, c'est ce que j'utiliserai pour les coussins de mon bloom. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça disparaît en 5 secondes, entre 5 et 6 secondes. Donc pour les coussins de bloom, 5 à 6 secondes. Pour les couleurs de bloom, 2 à 3 secondes. Pour toutes les autres acryliques pouring, sauf les perles qu'on fait avec ça et les blooms qu'on fait avec ça et les dutch qu'on fait avec ça. Pour tous les restes, on peut utiliser les 3 et ça reste 2 secondes de trace. Celui-là, une seconde. Et celui-là, c'est pour l'activateur de cellules. Presque plus les traces. Voilà. Jauge de consistance. Et pour ceux entre vous qui pensent que c'est toujours un peu aléatoire, notre dernière méthode aujourd'hui, c'est avec cette pièce de papier. Celui-ci, vous pouvez downloader gratuitement sur Tammy Anderson Art. Je vais mettre tous les liens de qui a créé cette consistency gauge et où vous pouvez télécharger. Je vais mettre dans les descriptions de vidéo. Donc, il s'agit de mettre un goutte au centre, mais vraiment au centre, sans dépasser les ronds ici. Parce que si vous mettez un peu moins ici et un peu plus ici, ça va affecter les résultats. Donc, on va essayer de mettre une goutte dans chacun de ces ronds. Donc, on commence avec notre numéro 1. Il faut être un peu à droite et c'est pas mon cas. Donc je mets une goutte ici. J'essaie juste de remplir les trous exactement. Encore une. Je pense que ça va ça. Donc ça, c'est notre première. Et après, on va laisser couler tout et voir à quel numéro ils vont arrêter. Et ça, c'est très, très utile. Moi, j'utilise ça quand j'ai fait des ring pour, les cloud pour ou les ribbons, où j'ai besoin vraiment que toutes mes couleurs sont la même consistance. Donc ça, c'est une excellente façon de voir ça. Juste remplir et arrêter, ça c'est bien. Donc il faut qu'il y ait les mêmes quantités de peinture sur chaque rond.
Maintenant, on va prendre par les deux bouts. Ça, c'est juste une A4. On va lever verticalement 1, 2, 3, 4, 5. Et on compte jusqu'à 5. Et on a nos consistances. Donc, le numéro 1, c'est à 5. Le numéro 2, c'est entre 4 et 5. Le numéro 3, c'est entre 3 et 4. Celui-là entre 2 et 3. Et celui-là entre 1 et 2, je dirais. Voilà. Comme ça, vous savez. Que si vous voulez faire, ça donne une très bonne idée que si vous voulez faire une perle, vous utilisez cette consistance. Et celle-ci, j'utilise vraiment quand je vais être sûre que toutes mes couleurs sont la même consistance. Donc, au lieu de faire des différents, donc je mettrai chaque couleur dans une et voir s'il y en a que je dois ajuster selon les. Parce qu'admettons, une de mes couleurs est à 5. Et je vais faire une bloom. Donc, je saurai que c'est trop liquide pour faire mes couleurs de bloom. Plus qu'à choisir le vôtre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rejoignez-moi les mercredis.